Christian, quelle beauté, c'est vraiment magnifique. Au nom du Washington Club, je tiens à te remercier d'avoir accepté notre invitation, de participer à l'événement de Art Soirée et de l'Association des chefs français que nous faisons dimanche. Mm-hmm. La musique que tu vas jouer pendant le brunch va être vraiment formidable. Et tu me dis que tu vas donc faire un programme entièrement français. Entièrement français, sauf que je vais ajouter quelques morceaux italiens aussi. Et je vais jouer avec des morceaux de Chopin, c'est-à-dire que je vais faire des improvisations. Improvisations que je crée comme ça à partir des tonalités. Ré mineur, par exemple, les tonalités les plus belles que je connais. Et donc, je crois qu'avec tout le monde ici, je crois que ça va être un bon programme. Et pourquoi spécifiquement Chopin, Liszt et les autres? Alors, Liszt, Chopin, pour moi, c'est un compositeur qui m'a touché depuis que je connais la musique. Donc, pour moi, c'est le compositeur le plus profond en ce qui concerne le développement des émotions. Et donc, je voulais tenter de créer une ambiance qui corresponde à l'époque où, quand Chopin vivait. Et donc, je vais faire ça, je vais tenter mon plus fort et je vais aussi créer une atmosphère très moderne. Donc, je vais faire tenter de créer ces deux mondes ensemble à la même fois. Formidable, l'émotion de la musique va bien aller puisque nous allons avoir nos amis chefs de l'Association des chefs français qui seront là aussi. Mm-hmm. Donc il y aura déjà beaucoup d'émotions dans la salle. J'espère bien. Qu'est-ce que tu penses du piano? Alors ce piano, ce que j'aime bien c'est les touches. Il y a la clarité de touches qui rayonne bien dans ce salon et donc je peux entendre en même temps qu'il y a beaucoup d'histoires dans ce piano et je voulais que nos auditeurs comprennent mieux ce piano, le développement de ce piano. Est-ce que vous avez une histoire de ce piano? Absolument, ça me fait plaisir que tu demandes parce que c'est un piano qui a beaucoup d'histoires. C'était une commande spéciale qui a été faite en 1894 pour les propriétaires de la maison qui étaient les publishers du Chicago Tribune. Mm-hmm. Et ils voulaient une maison dans la capitale pour faire des parties et inviter les rois, reines, présidents de l'époque pour pouvoir écrire dans le journal ce qui se passait dans la capitale américaine. Et la maison a été construite, a été dessinée par Stanford White, le grand architecte américain de l'époque. Donc nous en avons beaucoup de chance car non seulement la maison, les objets à l'intérieur ont beaucoup, beaucoup d'histoires. Et l'intérêt de ce piano, c'est qu'il était dans la maison, il a donc été dans la maison depuis 1900, et beaucoup de pianistes très célèbres ont été invités à jouer pendant que c'était une résidence privée, inclus Rachmaninov, qui a donc joué sur ce piano. Donc j'espère que tu vas avoir plaisir à jouer ce très bel instrument. Ce sera un bon plaisir pour moi et ce sera un grand plaisir de faire partie de cette soirée, produite par Art Soirée en plus. Et donc, ça va être un bon moment pour tout le monde, j'espère. Mais je te remercie de participer et je pense que nous allons avoir une très belle journée dimanche. Merci Christian. Merci.